Dis donc, tu t'es fait beau, toi, ce soir. C'est pour qui? J'ai rendez-vous. Et avec qui? Ah. Bonjour. Vous êtes bien chez Juliette et Sébastien. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas du tout envie de vous répondre. Alors, vous pouvez aller vous faire cuire un œuf. Bip! Oh, espèce de petit voyou. 3 fois 10, ça fait 30. Oh là là, je suis vieille. Bon anniversaire, ma Juliette, à moi. Oh là là, c'est beau. Ça, pour une surprise, c'est une surprise. Merci, mon petit homme adoré. 1, 2, 3. Bon, et bien voilà, c'était le dernier conseil municipal des enfants, enfin pour l'exercice en cours. Alors je vous invite tous à passer à la salle des cadastres, où nous attend un goûter d'honneur. On n'a pas fini. Comment ça, on n'a pas fini? Il y a ce problème de sens unique entre la rue des Palmes et la place Montolon. Bah oui, je suis au courant, c'est le projet pour faciliter l'accès à l'école par le centre-ville, et alors? Oui, bah tu nous avais promis que ça serait réglé avant la rentrée de février, promis. Une commission a été désignée. Et si un accident, ce sera la faute à qui? Une fois de plus, nous n'avons pas de vraie réponse. Mais tout ça au procès verbal. C'est ma fille, elle lâche pas facilement le morceau, elle a qu'y tenir. Eh bien, moi, je suis très heureux d'être parmi vous. C'est la première fois que j'ai affaire à un conseil municipal d'enfants. Alors, je compte sur vous pour m'apprendre, d'accord? D'accord, monsieur. Merci. Bon, bah alors, on passe tous au goûter. Allez, venez, les enfants. Et toi aussi, tu viens. Ah, vous m'avez donné la 6. Ah oui, la 9. Je confonds toujours. Merci. Deuxième étage. Ça alors. Alain. Et Lolo, viens voir. Viens voir, viens voir qui nous arrive. Viens voir. Pour un revenant, c'est un revenant. Hein. Vous me reconnaissez? Laurent, le fils des chaussures. Ouais, il a grandi. Hein. Ouais, Laurent, ouais. Bien sûr. Ouais. T'es venu accompagner? Mais c'est mon fils. Ton fils? Non, ça. La 6, la meilleure. J'ai appris pour ton père. Ça nous a fait triste. Bonsoir. Bonsoir. Alain Tournier. Tu t'en vas? Mon fils David. Bonsoir, monsieur. Salut. Je suis là pour un bout de temps. On parle tout ça plus tard. Est-ce que vous aurez une lampe un peu plus forte? Sans vous embêter, et une table un tout petit peu plus grande. Parce que pour corriger mes devoirs, j'aime bien m'étaler. Oui, alors pour la lampe, on va vous arranger ça, mais pour la table, à moins que... Non, mais j'en ai une, là. Si Alain, ça te dérange pas, on pourrait faire l'échange des tables. Enfin, je sais qu'à peine arrivé, c'est pas... Non, pas du tout, ça me dérange pas, hein. Ça gêne pas?
Mon bureau, c'est la forêt, alors ça se passe plutôt dehors que dedans. Je vous en prie. Je travaille pour le ministère de l'Environnement. David, t'enlèves le pot de fleurs, s'il te plaît. Une maladie qui touche les pins. Ça a commencé dans la forêt noire et on aimerait éviter que ça se propage jusqu'ici, quoi. Ça peut durer 2-3 mois, ça peut durer 3 ans, ça dépend du travail. Si ça pouvait durer 3 ans, ça serait cool. Eh ouais, hein. Mais ouais, on a pas mal bourlingué ces dernières années à travers le monde et je crois que mon fiston a envie de se poser quelque part. Hein, Moussaillon ? Yes, Captain. Médecin des arbres, c'est un beau métier, ça. Moi, je suis le nouvel instituteur. Je suis en mission, un petit peu, à ma manière. Mais je vais l'inscrire lundi, justement. En quelle classe ? CM2. CM2, t'es avec moi ? Lundi, tu prends tes affaires de sport, on a gym. Merci. Bonjour. 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 Je suis le nouvel institut. Ça va? Bonjour. Où qu'ils sont? Ça arrive là, c'est un peu frais. Bonjour. 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 Bah, dis donc, 1, 2, 3, 5 femmes, un homme, la parité, bravo. Allez-y, asseyez-vous, les enfants. Qu'est-ce que c'est? Opération plage propre. On est obligé de venir. Ouais, alors si je suis obligé. Merci. Vas-y, va t'asseoir, mon grand. Quel jour on est aujourd'hui? Jeudi! Qui est-ce qui veut écrire la date à ta boule? Toi, vas-y, va. On peut dire que UKP était l'ancêtre de Philippe le Bel. L'un des ancêtres, oui. Moi aussi, j'avais des ancêtres en ce temps-là. T'es bête. Forcément, si tu réfléchis, le père du père de ton père avait aussi un père et un grand-père. Ça peut pas s'arrêter. Elle a raison aussi, Denis. Même à l'époque de UKP, on avait tous des ancêtres. Tu parles, moi, sûrement pas. Mais si, toi, comme les autres. Tenez, regarde. Écoute, c'est simple, vous avez tous un père et une mère. Ça fait 2. Ensuite, de chaque côté, le père, il a un père et une mère. La mère, elle a un père et une mère. D'accord? Ça fait 4. Ensuite, ce père, là, c'est vos grands-parents. Le grand-père et la grand-mère, bah, évidemment, ils avaient un père et une mère. Une mère. Ici, c'est la même chose. Ça veut dire qu'à chaque génération, on multiplie par 2. Alors, ça fait très, très vite beaucoup de monde. On peut savoir combien j'ai eu d'ancêtres au temps de UKP? Bon, le chiffre exact, non, mais si on faisait le calcul, ça ferait des milliards d'ancêtres. C'est impossible. Eh oui, c'est impossible. Alors pourquoi? Réfléchissez. Bah, je sais pas, moi. Peut-être qu'un même ancêtre a servi plusieurs fois. Et voilà, t'es pas bête, toi. C'est ça, l'explication. Si on remonte suffisamment loin dans le temps, eh ben, on retrouve les mêmes ancêtres. Alors, on est tous cousins? Oui, on est cousins. Mais justement, sur les fiches, là, je vois Sébastien... Et si, Dany, vous avez le même nom de famille, Hilarieux, vous êtes de la même famille? Oui, monsieur. Ça me ferait mal. Écoute, Sébastien, tu sais très bien. Je sais rien du tout. Et pour qui tu prends toujours savoir mieux que les autres? Attendez, attendez, on se calme. J'ai une idée, c'est que chacun d'entre vous fasse son arbre généalogique. Ouais. C'est nul. Pourquoi c'est nul? On n'est pas des rois, des reines, on s'en fout des ancêtres. Bah, peut-être, mais si ces gens-là n'avaient pas existé, tu serais pas là, hein. Puis même si on n'est pas les rois et les reines, c'est toujours intéressant pour chacun de nous de situer sa propre histoire dans l'histoire de l'humanité, vous comprenez? Allez-y, les enfants. Sébastien, Sébastien Larieux.
T'as pas oublié ? Serez-vous, je vais voir du côté de la bibliothèque. C'est où ? C'est au fond du couloir, là-bas. Merci. Bah, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis la maman de Sébastien. Ah oui, le bonnet rouge. Allez, vas-y, Sébastien, va dans la cour. Il a l'habitude de me rejoindre ici pour les récréations. Et pourquoi, il y a un problème ? Non, enfin, Sébastien, c'est pas un enfant comme les autres, il aime pas les jeux violents. Il est mieux avec moi. Oui, mais enfin, il n'y a aucune raison qu'il soit pas dans la cour avec les autres. Tous les enfants sont différents, bon, d'accord. Mais bon, vas-y. Vas-y, Sébastien, je te rejoins. Bon, bah, vas-y. J'avoue que je comprends tout à fait la réaction de Sébastien. À la généalogie, les racines, quoi ça sert de remuer le passé ? Mais le passé, il existe. Vous pouvez pas dire le contraire. Quelquefois, on n'a pas le choix. Moi, j'ai coupé les ponts avec ma famille. J'ai plus de famille. Et Sébastien, il prend ça comment ? Juliette, il y a Sébastien qui saigne. Attention, tu saignes. Tu t'es fait mal ? C'est rien du tout. Qu'est-ce qu'il a là ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Allez, c'est fini, mon ami. Allez, allez jouer, les enfants. Allez. C'est rien. C'est lui. C'est lui, il est venu au milieu du terrain. Il est comme un joueur. Ouais. Et on pouvait la jouer. Vous êtes content de vous ? Content, ben non. Non, pas vraiment. Pourquoi ? C'est la vie, hein. On ne peut pas couver éternellement les enfants, ils grandissent, il y a des risques, voilà. Des risques. Excusez-moi, je peux vous parler ? Ouais. Vous avez été dur, hein ? Vous l'aimez bien, hein ? Bah oui, je l'aime bien. Moi, je le connais depuis la maternelle, Juliette. Elle n'a pas l'air comme ça, mais c'est quand même une fille fragile, hein. Elle revient de loin. Ça me regarde pas. J'ai fait exprès, je recommencerai. T'as fait exprès ? Sébastien, écoute-moi. Ne refais plus jamais ça, d'accord ? Tu me promets ? Comme ça, je serai plus jamais avec les autres. Mais enfin, t'aurais pu te faire mal pour de bon ? Qu'est-ce que je deviendrais, moi, avec un petit garçon tout abîmé ? Tu recommenceras plus, hein, mon poussin ? Allez, tu viens me faire un câlin ? La maman des poissons, elle a l'œil tout rond. On ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille. Et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. T'es champion du monde. Tu sais, pour la récré, on va falloir se faire une raison. Enfin bon, t'inquiète pas trop, ta maîtresse va bientôt rentrer et après, ça sera exactement comme avant. Oui ? Oui, oui, oui ? À Mimi d'Eskimo ? David, viens voir. Je vais te montrer quelque chose. Salut. C'était le cinéma où je venais avec ma petite amie. On se réfugiait au dernier rang du balcon, dans le noir.
Ah, je devais avoir facile 14 ans à cette époque. Elle s'appelait comment, ta petite amie? Dis donc, t'es bien curieux, toi, hein? Même là où rien n'a changé, rien n'est pareil. C'est incroyable, hein? Avec le temps, ça paraît tout petit. C'est peut-être votre regard qui a changé. Longtemps que vous êtes venu là? 15 ans. Ça fait un bail, 15 ans. Hein? Oui. Ça allait passer des choses en 15 ans. Hein? J'ai changé de vie plusieurs fois. J'ai traversé tous les continents. Et pourtant, j'ai l'impression que c'était hier. Excusez-moi, là, mais des fois, on ne peut pas se retenir d'être un peu niaise. Comme on dit chez nous, au Québec. Tu vas voir si je t'attrape, je vais te montrer si je suis niaiseux. Moi, je t'attrape. Et les lacs en hiver, alors? T'as déjà vu les lacs gelés? En hiver, il fait très froid. Là. Et en été, t'as des moustiques énormes. Ah ouais, c'est vrai? C'est censé. Juliette? Juliette, attends! C'est qui? Tu la connais? C'est qui? Non, c'est rien. Ouais. Oh, bah dis donc, j'en ai des ballons là. Mmh. À toi! À toi! Et au doucement! Et t'en fais une tête! Tu me fais peur, là. Alain est revenu. Alain? Oui, Alain! Bon, écoute, faut que j'y aille, mais je passerai te voir pendant la pause. Vous êtes prêts? Allez, plus haut, bougez-vous! Attention! Mais... Voilà, c'est bien. Je cherche Sébastien, où il est? Il est dans le vestiaire, là-bas. Attention, vous êtes prêts? Allez, plus haut! Oh, bougez-vous, c'est bien. Attention! Voilà, allez, baisse-toi plus! Allez, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu as oublié tes affaires de gym? Non, je suis dispensée. Pourquoi? T'es malade? Non, mais je suis nulle. Avec ça, je suis abattable. C'est pas mal. Mais tu sais, la vie, c'est la tête et les jambes. Tu comprends ça? Non. Mais mademoiselle Flutio... Je sais, mademoiselle Flutio, elle te laisse faire tout ce que tu voulais. C'est là où on n'est pas bon qu'il faut faire des progrès. T'es pas d'accord? Bon, la prochaine fois, tu prends tes affaires de gym. En attendant, tu viens dans le gymnase avec les autres. Allez. Ton blouson. Alors, ton père, il passe sa vie dans les bois? Ouais. Ça te plaît, toi? Ouais, moi, surtout, ce que j'aime, c'est les animaux. Ah, oh, tu dois en voir, t'as de la chance, hein? Ouais. Et en classe, il y a des choses qui te plaisent? Ouais, il y a plus de choses que j'aime pas que j'aime. C'est vrai? Ouais. Mais c'est bien ici, tu verras. Puis, ils sont tous très gentils. Ah. Les enfants, je vous présente un nouveau. Il s'appelle David. Moi, tu vas te présenter toi-même, vas-y. Ben, je m'appelle David Tournet. Je viens d'arriver. Avant, j'étais en Écosse. Avant l'Écosse, en Autriche. Et avant tout ça, au Québec. Mais c'est où le Québec? Au Canada. On parle quelle langue au Québec? On parle français, comme du temps de Jack Cartier, puis de François Ier. C'est vrai. Les Français qui sont arrivés là-bas à l'époque parlaient exactement comme ça. Et les Québécois continuent de parler de cette manière-là. Nous, on a oublié ça. Dommage. C'est dommage, c'est drôle ouais. D'accent que vous avez pris là. Bon, allez, tu vas mettre des affaires de gym. Sébastien, viens voir. Tu veux t'occuper de lui? Tu l'emmènes au vestiaire. Bah, tu t'en occupes, quoi. Bon, continuez, les enfants. Salut, Manu, merci. Bon, allez, tout le monde en place. Allez, on y va. Ça va pas? Laisse-moi tranquille. Non, je te laisserai pas tranquille, Juliette. Juliette, il faut que tu me parles.
pourquoi il est revenu. Juliette, regarde-moi. Regarde-moi. Tout ça, c'est du passé, non? Tu devrais pas te mettre dans des états pareils. Hein. Non, mais regarde-toi. C'est trop d'honneur que tu lui fais à ce pecno. Il en vaut pas la peine. Hein. Je sais, t'as raison. Je suis qu'une idiote. Mais tu devrais pas rester comme ça. Moi, je sais pas, tu devrais te bouger, tu devrais aller te promener. Te changer tes idées, quoi. Oui, moi, je veux bien, mais... Mais Juliette, mais y a pas de mais. Moi, j'aime pas te voir comme ça. C'est pas bon signe, hein. Alors, ce que tu vas faire, tu vas t'en aller. Et puis moi, je vais m'occuper de tout. Je vais m'occuper de la bibliothèque. Puis, je vais m'occuper de la classe. Mon Sébastien. Ton Sébastien, je vais m'en occuper aussi, tiens. Il est good. De toute façon, tout ce que je peux lui dire, elle le sait déjà. En plus, il s'est rien passé. Elle s'est simplement retrouvée nez à nez avec le type qui la laisse tomber quand elle avait 17 ans. Alors, évidemment, elle a craqué, quoi. Oh mon Dieu, Sébastien, je l'avais complètement oublié. En plus, j'ai promis à Juliette que je le ramenais. Je vais m'en occuper, si vous voulez. Ah. T'inquiète pas, je roulerai pas vite. Mais j'ai pas peur. Oubliez ma clé. Merci de me l'avoir ramenée. C'est normal. Comment vous vous sentez? Très bien, vous pouvez vous en aller. Oh, Sébastien. Bah tiens, va donc répondre et tu dis que je suis pas là. Allez, vas-y. T'as l'habitude de me voir avec un homme, de façon jaloux. Moi, quand ça va pas, je me venge sur les gâteaux. Vous en voulez un? Non, merci. Allô? Non. D'accord. Allez-y. Alors. Alain Tournier. Hôtel Biarritz. Vous avez toujours vécu toute seule avec lui? Oui, c'est l'homme de ma vie. Et les autres, je m'en passe très bien. Oh, vous en êtes sûre? Un jour, j'ai cru rencontrer un homme qui était différent des autres. Tous les hommes sont des prédateurs. C'est dans leur instinct exactement comme le chat qui mange la souris. Oh là là, vous me faites peur. On dirait que vous êtes en colère après tout le monde. C'est la guerre. La guerre, c'est pas moi qui l'ai voulu. Méfiez-vous, dans ce genre de guerre, il n'y a pas de vainqueur. En fait, tout ça, c'est tellement banal. Un rendez-vous au clair de lune, enfin, vous connaissez bien ce genre de chanson romantoque. Je l'ai attendu toute la nuit, il n'est pas venu, je suis revenue le lendemain, sur le lendemain. Puis comme ça, bah, pendant des semaines. Alors, j'ai voulu mourir, et puis j'ai décidé d'avoir un enfant et de vivre pour lui. Oui, mais Sébastien, il a un père quand même. Je voulais un enfant, j'ai fait ce qu'il fallait pour. Perdre Sébastien, c'est personne, pas même un visage. Qu'est-ce que vous lui avez dit au petit? Mais cette vie, je l'ai voulu, je l'ai choisi. Lui et moi, on est heureux. Mais je laisserai personne nous faire du mal. Oui, mais Sébastien, un jour... Sébastien sera un homme, vous avez pensé à ça? Triste.
Le premier qui te fait du mal, je lui casse la figure. C'est vrai que tu es presque un petit homme, toi. Au fait, le téléphone tout à l'heure, c'était qui? Oh, une erreur. Ta rédaction, t'en es où? Oh, nulle part. Mais tu veux que je t'aide? Non, ça va aller. Je pense que j'ai une bonne idée, une super idée. Si j'ai une bonne note, tu seras plus triste. Ses jumelles. Voilà, c'est toutes ses affaires, on voit à peu près, tout ce que j'ai pu trouver. J'aimais beaucoup ton père, tu sais. Je l'aimais bien. Qu'est-ce que tu as intention de faire? Tu comptes rester longtemps, tu vas t'installer? Attendez, monsieur Lario. Je sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez plus aucun pouvoir sur moi, hein. Aucun, hein. Mon père est mort. Vous pouvez plus rien, ni contre lui, ni contre moi. Pas bouger, tais-toi! Pourquoi tu prends comme ça? Si j'ai eu des torts... Je vais être prêt à payer, je sais. Ouais. Bon, c'est tout. Alain, il vaudrait mieux que tu évites de voir Juliette. Elle a suffisamment souffert de tout ça. Si je veux voir Juliette, je la verrai, que ça vous plaise ou non. Hein. Et que je reste ou que je parte, c'est mon affaire, ça vous regarde pas. Hein. Et... Ça va pas? Si, si, ça va aller, ça va aller. Elle est pas là, Sidonie? Elle est chez sa mère, on est divorcé. Vous voulez me voir? Oui, je voudrais vous parler de Sébastien, le petit Sébastien Larieux. C'est pas un secret, enfin pas vraiment. Les gens qui me connaissent évitent d'en parler devant moi. Juliette est ma fille. Il suffit d'y arrêter. Juliette est la sœur de Sidonie? La demi-sœur, j'ai une vie un peu compliquée. Et Sébastien? Vous ne parlez pas de Sébastien? Quand vous parlez de Sébastien, je ne le connais pas, Sébastien. Quand je le vois, c'est de loin et à l'école. Petit, il faut semblant de pas savoir qui je suis, moi je fais semblant de pas en souffrir. Vous faites semblant tous les deux? C'est triste. Mais qu'est-ce que je peux y faire, moi? Je n'ai plus aucune prise sur Juliette, encore moins sur le petit. Vous avez déjà essayé? Si Juliette m'avait écouté, Sébastien ne serait jamais né. Comment ça? Elle s'était mise en tête d'avoir un enfant tout seul, je pouvais quand même pas la laisser faire, non? Alors j'exigeais l'avortement, voilà. Vous avez exigé? Ou elle prenait la porte, ou elle avortait. Elle a préféré la porte. On se parle plus. Depuis 15 ans. Et votre femme, qu'est-ce qu'elle en pensait? Ma femme? C'est cette chapelle du Ray qui a été partie. Juliette avait 4 ans. Parce qu'elle a pu réclamer sa mère. Elle a pleuré pendant des mois, et moi, je savais plus quoi faire pour lui faire plaisir. J'ai pas honte de le dire. Quand je m'occupais de Juliette, pour moi, ça a été de très belles années. Et puis, elle a grandi. C'était pas prévu au programme. J'ai pas supporté. Bah alors, on pourrait pas envisager une sortie avec les enfants?
Une sortie en forêt, vous leur expliqueriez tout ça? J'écoute. Oui. Ah. Pardon, excusez-moi. Ah bon? C'est pas pour toi. Hein. Quoi? Ah oui, mais... Qu'est-ce qui est pas pour moi? Mais tu l'as vu bien, toi? Allez, Oust, on lit, hein? Oui. Bien sûr, bien sûr. François, oui. François. Mais non. Tu n'as plus de belle de juillet. Tu me mets 3 fois 50 de Charlotte. Il est beau, hein? Vous savez, ça a été terrible pour lui, hein? Il a perdu sa mère très tôt, il n'avait pas encore 2 ans. Alors moi, je m'étais dit que j'allais lui donner un parcours sans drame, sans complications. Et voilà. Parcours menteur? Non. Je vous propose un pacharan. C'est la rencontre des prunelles et de l'anis. Alors, c'est un peu plus fort qu'une tisane, hein, mais c'est très bon pour la digestion. Vous allez goûter. Merci. Merci. Ouais, on a parlé de Juliette tout à l'heure et puis... Je me suis laissé emporter. Juliette, c'est l'histoire ancienne, en fait. On a fait sa vie, chacun de son côté, et c'est très bien comme ça. Vous êtes sûr de ça? Non, je suis sûr de rien. Vous pensez que je suis un salaud? Non, je pense à rien, moi. Je pense à rien, mais je vois des gens malheureux qui disent qu'ils sont heureux, alors... Ils font rien pour changer les choses. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là dans mon lit? Je sais bien que tu dors pas. Allez, Oust, file dans ta chambre. Attends le temps de m'endormir. Bon. Tu veux que je te raconte une histoire? L'histoire de quand t'étais petit, tout petit? Non, raconte-moi mon père. Écoute, Sébastien, tu sais bien que j'ai rien à raconter. Tu m'as dit un jour... que c'était un marin et qui ressemblait à cet oiseau. Tu sais, Jonathan, le goéland. Si on jouait à Si j'étais, tu veux? Tout le monde a un père. Oui, mais toi, t'es pas tout le monde. Toi, t'as une maman 2 en 1. Toi, tu as bien un père. On n'est pas bien tous les deux. Sébastien et sa belle. Juliette et son Roméo. Si on est bien. Et on se quittera jamais. Jamais. Ma grand-mère, elle m'a donné tout ça. Mais tout ça, ça fait partie du passé de la commune. Pas moi. Moi, ma famille, elle est seulement là depuis que je suis née. Ben, c'est pareil, ça fait partie de l'histoire du pays, toutes ces familles qui arrivent petit à petit d'un peu partout. Tiens, tu nous apporteras des photos de tes parents. Et vous, monsieur, vous avez apporté quelque chose pour mettre dans votre maison? J'ai pas pensé, non. Mais j'ai une photo. Si j'ai une photo à laquelle je tiens beaucoup, je vous l'apporterai la prochaine fois. Pas une faute d'orthographe. Bravo. Bon, alors toi, c'est très bien, mais je t'ai mis 14 seulement. Je t'ai mis 14 parce que le sujet, c'était faire le portrait de quelqu'un. Alors, quelqu'un, c'est un enfant, un garçon, une fille, un homme, une femme. T'as fait le portrait d'un chat. Mais c'est bien écrit et c'est marrant. Alors, Sidonie. Voilà, il reste plus que toi. Ça, c'est une histoire vraiment très émouvante. Ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque où on arrêtait des gens comme ça et puis on les envoyait dans des camps. Tu veux pas nous lire la fin? Ouais. À partir de là, s'il te plaît. On a entendu la voiture s'arrêter au milieu de la cour. Le chien s'est mis à aboyer. Il y a eu un coup de feu. Le chien a hurlé. Robert, c'est le petit garçon, il a 4 ans. Robert a crié.
Mais aussitôt, sa maman a mis la main devant sa bouche et s'est mise à crier plus fort que lui. Quand les soldats sont venus l'arrêter, elle a dit qu'elle était toute seule, que c'était elle qui avait crié à cause du chien. Les soldats l'ont jeté dans la voiture et l'ont embarqué. On ne l'a plus jamais revu. Le petit garçon, elle l'avait enfermé dans un placard. C'est là qu'un voisin l'a trouvé le lendemain matin, tremblant de peur et de faim, mais vivant. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? C'est bien. Triste et bien. La maman, elle a abandonné son enfant. Et oui, elle l'a abandonné, mais pour lui sauver la vie. Moi, j'aurais jamais laissé ma mère partir sans moi. Si elle l'a laissé, c'est parce qu'elle aimait. Monsieur, c'est une histoire vraie ? Eh bien, je ne sais pas. Il faut demander à Sidonie si elle veut répondre. Là, je veux bien répondre. Le petit garçon, je lui ai changé son nom. Son vrai nom, c'est Régis. C'est mon père. Et la maman, c'est ta grand-mère ? Bah oui, mais je l'ai pas connue. J'ai juste une photo. Eh oui, tu l'as pas connue. Pourtant, si elle avait pas fait ça, ben, il n'existerait pas. Tu serais pas là à nous raconter tout ça. Bon, les enfants, vous n'oubliez pas les autorisations des parents pour la sortie en forêt. Eh bien, tu sors pas ? Vous ne m'avez pas rendu ma rédaction. Il n'y a pas de note. Pourquoi il n'y a pas de note ? À ton avis, à qui je devrais mettre une note ? À toi ou à Hervé Bazin ? T'as tout copié, t'as même pas changé les noms, écoute. Pourquoi t'as fait ça ? Bon, bah, la rédaction, tu vas la faire pour toi tout seul. D'accord ? J'ai rien à raconter. Mais si. Mais si, tu parles d'une photo, d'un objet, de quelque chose que t'aimes bien. Quelque chose que j'aime bien. Allez, va dans la cour, va jouer. J'ai pas trouvé Cathy, alors je vous la laisse au cas où je sois en retard tout à l'heure. Mais vous ne mangez pas ? Ah bah non, j'ai pas le temps, ça doit partir avant midi. Je vais vous accompagner en moto, moi ça ira beaucoup plus vite. Avec plaisir. Tu verras la neige, il fait pas de fun. Du patin le matin. L'après-midi, quand la souffleuse est passée, on se balade en traîneau avec sa blonde. Mais c'est qui cette blonde ? C'est moi cette blonde. Mais non, c'est pas toi la blonde. C'est personne. C'est une expression. Ça veut dire son amoureuse. On dit blonde même si elle est brune comme un pruneau. Ou rousse comme... Bah comme moi. Affirmatif. Et si tu te présentais au conseil municipal ? Au moins, on s'embêterait pas. Pourquoi pas ? Seule chose, on ne sait jamais combien de temps on reste au même endroit. Quelquefois, mon père, il croit qu'il en a pour un an. Et deux mois après, crac, on va ailleurs. Il se virait de partout, oui. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Si je voulais, je pourrais en raconter sur lui. Son père, c'est un prédateur. Un quoi ? Elle sait même pas ce que ça veut dire. Demande-lui à ton chéri. Qu'est-ce que tu fais là ? Je cherche ma mère. Oh, mais tu veux pas y lâcher les baskets un peu à ta mère ? Elle est où ? Elle est où ? Elle vit sa vie et toi, tu ferais bien d'en faire autant. Sébastien ! Laisse-la tranquille. Lâche-moi ! Non, mais ça va pas, faut te calmer, mon vieux. Qu'est-ce qui se passe, Sébastien, là ? Et toi, lui ? Laissez ma mère tranquille, vous avez compris ? Sébastien, sois gentil, calme-toi. Je t'excuse maintenant. Allez, excuse-toi ! Oh non, mais c'est rien, c'est pas grave.
Salut. Je vais vous donner un coup de main. C'est pas de refus. Attends, je vais prendre un œil bien sur le tronc pour pas casser les jeunes pousses. Voilà. On va le mettre contre le mur, là. Voyez, ça c'est un jeune arbre. À cet âge-là, on a une chance de l'acclimater. Vous allez le replanter maintenant? Ah non, non, on va d'abord faire des prélèvements sur les racines. Faire des analyses, quoi, sur les racines. Vous avez 2 minutes? Je peux vous parler? Vous êtes pressé, non? Non, non. D'ailleurs, si vous, comme vous avez un peu de temps, si vous voulez, je peux vous montrer un point de vue qui me tient à cœur. D'accord. Je vous amène. On venait toujours ici avec Juliette. C'était notre endroit. Tiens, quand j'y pense, quel salaud ce Larieux. Refuser la candidature de mon fils au conseil municipal, ça c'est minable. Il est têtu, Larieux, il a dit non. Il aura du mal à revenir sur sa décision. Hein. Mais en plus, David, il a besoin de s'intégrer, je sais pas, moi. Non? Oui. Bon, ok, moi je finis la mission et puis je m'en vais. De toute façon, j'aurais jamais dû revenir ici. Je le savais. C'est si grave que ça? Non, mais une vieille histoire. Quand Larieux a découvert que Juliette et moi on se voyait en cachette, il a tout fait pour nous séparer. Il était jaloux, ça l'a rendu fou. Il s'en est même pris à mon père. Comment ça? Non, mais. J'ai pas très envie d'en parler. C'est la faute de mon père aussi. Il était devenu son employé, dépendait entièrement de lui. Alors bon, mais la menace était claire, hein. Ou bien je disparaissais sans revoir Juliette, ou bien mon père se retrouvait sans travail et sans ressources. Et qu'est-ce que vous avez décidé alors? Mais j'avais pas le choix, hein. On m'a mis dans le premier avion pour le Canada, est-il payé par Larieux? Juliette, comment elle a pris ça? Mais Juliette, elle a rien su. Et sans doute rien compris. Le dimanche matin, on avait rendez-vous là, au pied des rochers. Moi, je sais pas combien de temps elle m'a attendu. Hein. J'étais à 10 000 mètres de haut. Et elle en est restée là, elle? Mais, je sais pas, j'ai voulu m'expliquer, j'ai écrit, les lettres me sont revenues sans avoir été ouvertes. Quoi. C'est Larieux qui me le faisait renvoyer. Mais pour elle, je suis un salaud, et je le comprends seulement maintenant. Regardez. C'est la première lettre que je lui ai envoyée. Allez, retour à l'envoyeur, n'habite pas à l'adresse indiquée. Ça fait 16 ans. Hein. Il y a le cachet de la poste qui fait foi. Hein. Mais il est peut-être pas trop tard pour le renvoyer à sa destinataire. Vous croyez? C'est un peu ridicule. Tout au bout là-bas. Je comprends pas qui a pu faire une chose pareille. La photo de ma grand-mère. Ah, elle est toute déchirée. On va recoller les morceaux, ma grand-mère. T'as rien. Est-ce que ce sont des voyous du coin? Regardez ce que j'ai trouvé. Sébastien, je reviens. Bon, venez là, les enfants, vous savez. On va remettre les tables, d'accord? Sébastien, sors de là. Non.
Écoute, sois raisonnable. Fichez-moi la paix. Je veux plus aller en classe, je vous déteste. Sébastien, c'est ridicule, tu vas pas rester enfermé là-dedans. Et puis, il faut qu'on parle tous les deux. Qu'est-ce que vous allez me faire? Rien, mais ce que t'as fait, toi, c'est grave. C'est très grave. Ça s'appelle un délit. Il y a des lois qui sont faites pour protéger les gens, et ben elles sont faites pour tout le monde. Même pour les enfants. Je m'en fous, j'irai en prison. Tu dis n'importe quoi. Tu sais pas de quoi tu parles. Allez, viens. Vous allez appeler la police? Ben non. Non, mais tu mérites une punition quand même, t'es d'accord? Oui, monsieur. Alors qu'est-ce qu'on décide? C'est quoi la punition? Ben, je sais pas, moi. Ben déjà, tu vas remettre la classe en ordre. T'as du boulot, là. Hein? Et puis si t'as pas fini, tu reviens samedi matin, d'accord? Oui, monsieur. Et samedi après-midi, nettoyage de la plage avec tous les autres. Bon, je vous laisse. C'est de votre faute, tout ça. Avant votre arrivée, Sébastien était un enfant adorable. C'est possible, oui. Mais Sébastien, il nous fait une crise en ce moment. Alors, c'est sûrement moi qui l'ai provoqué. Tant mieux. Comment ça, tant mieux? Non, mais vous êtes complètement fou ou quoi? Il est jeune, il est tout petit. On peut encore faire quelque chose. Dans 2 ou 3 ans, il sera trop tard. Je comprends pas ce qui se passe. C'est vrai. Quand on est tout seul, tous les deux, il est adorable. C'est justement ça le problème. Vous n'êtes pas tout seul, tous les deux. Vous n'habitez pas sur une île déserte. Mmh. Sébastien, il grandit, il a besoin des autres. Et puis un jour ou l'autre, bah, il faudra bien qu'il vous quitte. En attendant, ce jour n'est pas encore arrivé, vous voyez? Allez, viens! T'es fâchée? Qu'est-ce qui t'a pris? Tu peux me le dire? Ah, je comprends pas, moi! Moi aussi, quand je serai grand, j'aurai une moto. Après, je te laisse tranquille, c'est promis. Si tu me veux. Te parler. Simplement te parler. Ah ouais? Tu crois pas que c'est un peu tard, non? Moi, j'ai pas du tout envie de te parler, encore moins envie de t'entendre, alors que tu me fous la paix. Attends, Juliette, écoute-moi seulement une minute, s'il te plaît. Mais écoutez qui? Je t'ai rayé de ma mémoire, tu m'entends? Rayé, supprimé, annulé. Alors tu me fiches une paix royale. Juliette, s'il te plaît. Mais il y a plus Juliette! Oh là là, d'accord, d'accord. D'accord, pardon. Oh là là, pardon, pardon. Non, excusez-moi. Non, non. Je voulais pas vous agresser. Je vous ai prise pour une autre. Une fille que j'ai connue il y a longtemps et dont j'étais fou amoureux. Vous lui ressemblez beaucoup. Je m'étais dit que peut-être vous pouvez laisser un message de ma part. Vous pouvez pas vous tromper, elle est comme vous. Exactement comme vous. Non, c'est là où tu te trompes. La fille dont tu parles, elle a rien à voir avec moi. Mais en même temps, tu me fous la paix, tu t'approches plus jamais de moi! Ah, c'est pas mal, hein? C'est bien. C'est très bien, même. Et alors, c'est quoi? Ça fait 2 sortes d'arbres. Ceux qui partent d'un ancêtre, les descendants sur les branches, et les ancêtres, la tête en bas. Ah, d'accord. Ah, oui, c'est pour ça qu'on parle de racines. Mais moi, j'aurais toujours qu'une moitié d'arbre, hein? Bah, on va dire qu'il y a une branche qui a été coupée, puis qu'il y a des bourgeons qui repoussent. Et quand tu seras grand, tu voudras des enfants.
Où est l'aspirine? Je sais. Bouge pas, reste assis, je m'occupe de tout. Tu crois pas que je suis assez grande pour me débrouiller toute seule? Maman fatiguée, maman grognon. Arrête de faire ton bébé. Et puis reste pas dans mes pattes, là, t'as rien à faire? Sébastien! Sébastien, attends! Excuse-moi, mon chéri, je voulais pas te faire de peine. Tu me pardonnes? Tu me pardonnes ou je te lèche le nez? Non, pas ça. Non, pas ça? Et si je veux te lécher le nez? N'allez pas dans l'eau! Venez, venez, n'allez pas dans l'eau! Laisse, on l'attrapera après. Allez, venez, venez par ici, là. Il y a plein de trucs, là. Un cajot, là. Tu veux? Et là, il reste plein de bouteilles encore. Tiens, viens avec moi. Est-ce que l'ami va faire un énorme chute? J'ai appris ce qui s'est passé à l'école. Je comprends pas. Sébastien a pourtant l'air d'un gentil garçon. Il est gentil, mais il est perdu. Il n'a pas de repère, pas de modèle. Si je m'en mêle, Juliette ne la supportera pas. Ouais, mais pourtant, il a besoin de vous, monsieur Larue. Ouais, une bouteille. Il y a un message. Une bouteille avec un message. Regarde, mais c'est fait pour ça, justement. C'est fait pour qu'on lise le message. Comme dans le livre où les marins ils lancent une bouteille à la mer, un capitaine Nemo. Exactement, capitaine Nemo. Alors, voilà. Ah. Oh, c'est français. On voit plus, hein. Ouais, bon, on va imaginer ce qu'il y avait dessus. Ouais. Bon, les enfants, la plage. Elle va pas se nettoyer toute seule. Hein. Allez, on y retourne. Tiens, attends-moi. C'est bon, je prends celui-là, les enfants. Tiens, voilà, c'est bien. Oh, arrêtez les enfants là. Arrêtez, arrêtez. Oh. Ça va? Monsieur le maire, s'il vous plaît. Oui. J'aimerais faire une petite photo si vous permettez. Bien sûr, oui. Tenez. Vous avez ça. Vous avez ça dans la main. Oui. Et tenez mon bonhomme. Viens là. Tu peut-être à côté. Hein? Comme ça. Tu montes bien la bouteille. D'accord? Les puisettes comme ça? Comme ça, parfait, vous bougez plus. D'accord. Attention. Merci. Sébastien, tu sais qui je suis? Oui, monsieur. Si tu veux, tu peux m'appeler grand-père. Oui. Tu vas apprécier après. Viens te reposer, bien dormir toute la nuit, tu verras. Juliette? Qu'est-ce que tu me veux? On peut se parler? Non. Au revoir les enfants. Au revoir. Denis, tu viens? Monsieur Novak, j'ai pris ma décision pour les candidatures. Je les accepte toutes. Allez, allez, monte. Dites, j'ai perçu l'autorisation de Sébastien pour la balade en forêt. Il ira pas. Non, je me connais, je me ferai trop de soucis. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive? Bah, tout. Il peut toujours tout arriver, vous savez. Oui, tout peut arriver, bien sûr. C'est dommage pour Sébastien, il sera le seul à pas y aller. Tous ses copains seront là. Moi, je serai là, il n'y a aucun risque. Monsieur Tournier sera là aussi, ouais. Bah, lui, il connaît la forêt comme sa poche. Venez avec nous si ça peut vous rassurer. Hein? Ça nous fera des bras en plus. Bon, allez, viens, Sébastien.
Sébastien, tu viens à table? Les arbres sont divisés en deux mondes, celui de l'ombre et celui de la lumière. Certains arbres ont besoin de la lumière du soleil, et d'autres, au contraire, ils ne la supportent pas. Ils ont besoin pour survivre de l'ombre des premiers. Faut surtout pas couper les arbres qui font de l'ombre, sinon ça fait crever les autres. Oui et non, parce que si les arbres qui ont besoin d'ombre se mettent à trop prospérer, ils étouffent les autres, ce qui les protège du soleil. Après ça, ils seront bien punis, puisqu'il n'y aura plus personne pour leur faire de l'ombre. Effectivement. Privés de l'ombre des premiers, les autres ils vont dépérir à leur tour et tout sera recommencé. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais la vie en général est compliquée. Hein. Dans la nature, tout est question d'équilibre. Ça s'appelle un écosystème, d'accord? Et chacun a besoin des autres pour vivre, donc chacun doit respecter le territoire de l'autre. Voilà. Comme nous? Ben, comme nous, en fait, les arbres et nous, c'est un peu la même chose. C'est compris? Ouais. On va dessiner, on va jouer, on va faire des photos là? Ouais. Allez-y. On va aller dans les arbres là-haut. Là. On va bien s'installer. Là. Voilà. Et David, c'est le vert, lui. Il change pas. C'est toujours la même couleur, le vert. Ouais. Eh bien, qu'est-ce que tu fais tout seul, toi? J'aime pas peindre. T'aimes pas peindre? Non. Et pourquoi? Ouais. Tu sais dessiner? Moyennement. Moyennement? Ouais. Regarde, c'est bien, t'as dessiné les écailles, là. Et c'est en dessous qu'il y a les graines et que les écureuils y ont mangé. Tu savais pas? Hé, monte pas trop, tu vas marcher sur mon verre. Moi, si j'étais un arbre, je serais un arbre soleil. J'adore le soleil. Alors on s'entendra bien. Moi, j'aime pas la chaleur. On va ronfler. Tu feras de l'ombre pour moi, hein. Mais n'en profite pas pour m'étouffer. Tiens, Sidonie, c'est toi, c'est pour toi. Ouais, c'est pas mal. Oh non, c'est quand même bien fait. Ah si, tu m'as fait baigner. Je le garderai toujours. Attention, regarde, t'as un loupé de belle. Ça devient absurde. Je te laisse des messages, tu me rappelles même pas. Réponds-moi au moins pour me dire que tu veux pas me répondre. Ça sera clair. Tu m'as laissé un message. Je sais pas combien de messages je t'ai laissé, s'il te plaît. J'ai pas eu de message. Attendez, attendez. Mais... Tellement ça. Ça va pas, tu tombes sur la tête ou quoi? Arrêtez. C'est fini. David. Sébastien. Sébastien. Allez, vas-y. Allez. Sébastien. Allez. Sébastien, arrête-toi.
Sébastien, où tu vas? Où tu vas, Sébastien? Viens ici, viens ici, viens ici, viens. Alors, chérie? Mais calme-toi. Qu'est-ce qu'il a? Dis-moi, qu'est-ce que t'as? Bonjour Sébastien. Qu'est-ce que tu fais? Bon bah, je t'attends là-bas. Tu peux approcher, hein? J'ai peur des chiens. Comme ta mère. Tu sais, les chiens, ils sentent la peur chez l'homme, c'est pour ça qu'ils sont agressifs. Ils ressentent la peur comme un danger, et ils ont raison. Si tu veux, je t'apprendrai à plus avoir peur. Tu veux? Oui. Oui? Oui, grand-père. Ah bah te voilà, toujours la dernière, hein. Au revoir. Allez, on va. Allez, on... Ça va? Allez, hop. En plus, tu lui ressembles. Une vraie tête de mule. Ta parole m'empêchait de le voir. Tous les enfants ont un grand-père. Sauf moi, c'est pas juste. Ce qu'il m'a fait à moi, tu crois que c'est juste? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Allez hop, viens par ici que je te bouchonne, mon petit bouchon. Tu veux pas? Tu veux que je sorte? Pour ton grand-père, c'est d'accord. Ça reste une affaire entre vous. Et tu mets ta ceinture, hein? Oui. Oui, oui. Tiens, celle-là, c'est une grosse mère. Je vais la mettre devant. T'as une petite mine, hein? Je sais plus où j'en suis. Sébastien devient insupportable avec tout le monde. En plus. Puis en plus quoi? Il me ment. Il me cache des choses. Ça, c'est parce que tu le couves trop, c'est tout, hein? Oui, bah, moi, je sais plus quoi faire. Bah, t'as qu'à lâcher du lest. Bah, lâcher du lest. Non, mais toi, tu me fais rire, vraiment. Mais tu sais même pas de quoi tu parles, t'as pas eu de môme, d'abord. Ça, c'est le genre de bêtises qu'on dit quand on est à court d'arguments. Tu vois, Juliette, j'ai peut-être pas eu d'enfant, mais j'ai des yeux, des oreilles. Puis là-dedans, j'ai un cœur qui ressent plein de choses. T'as pas beaucoup de mémoire, hein? Tu te souviens pas de nos 18 ans? Tu te souviens pas que c'est moi qui te tenais la main pendant ton accouchement? T'as oublié ça? Mais t'es tout le temps en train de parler de Sébastien, en plus. Sébastien par-ci, Sébastien par-là... Toi, t'es où au milieu de tout ça? Tu t'es noyée? Je suis tellement paumée. Mais ta vie de femme, tu vois ce que je veux dire? Elle est où? Ma vie de femme? Bah ouais, ta vie de femme. Je sais pas, quand on est mal à croquer comme toi, on profite. Hey,
Merci. Allez. Voilà, c'est bien, c'est bien. Bon, il a l'air effrayant comme ça, mais c'est un genre qui se donne. Il adore se faire de nouveaux copains. Mais je le connais pas, moi. Bah, lui non plus, il te connaît pas, mais tu vas voir, il suffit de lui parler, c'est facile. Assis au pied, pas bouger. Voilà, donne la patte. Tu vois? Essaye. Donne la patte. Hé, hey, ça marche. Tu vois, c'est facile. Bon, mais dis donc, mais il t'aime bien. T'as plus peur? Non. Je crois qu'il t'a adopté. Allez, va jouer, tu l'as bien mérité. On venait souvent se promener par ici avec ta maman quand elle avait ton âge. Est-ce que tu sais que c'était une petite fille très sage? Elle était toujours dans la lune. Tu peux pas savoir le nombre d'heures qu'elle pouvait passer, le nez plongé dans ses bouquins, avec des histoires horribles de princes charmants transformés en crapauds ou de rois méchants. Plus elle avait peur, plus elle adorait ça. Elle se mettait à rêvasser. Je lui demandais à quoi elle pensait. Alors, avec sa petite main, elle me montrait le ciel. Je regardais le ciel et qu'est-ce que je voyais? Des nuages. Et bref, c'est pas des nuages qu'elle voyait. C'était des châteaux hantés, des dragons, des ogres, des sorcières. Tu sais qu'elle avait beaucoup d'imagination, ta maman. Elle transformait tout dans sa tête, à sa façon. Pourquoi vous êtes fâchés, maman et toi? Je l'aimais beaucoup, tu sais, ta maman. C'était ma petite princesse. J'ai voulu la garder pour moi tout seul. Vous vous êtes fâchés à cause de ça? Si un jour tu as un oiseau, tu auras envie de le mettre dans une belle cage, pour qu'il soit toujours près de toi, et aussi parce que dans la belle cage, il ne manquera de rien et il sera à l'abri. Les chats et les renards ne pourront rien contre lui. Voilà. Mais s'il s'ennuie, les oiseaux, faut qu'ils soient deux. C'est vrai. C'est pas bête ce que tu dis. Bah oui, au moins deux. L'odeur que tu sens, c'est le tanin. Ça fait des années que je suis pas venu ici. Ça se voit, c'est tout ça, là. T'es bien gosse de la ville, toi. Faut arranger ça. Hein. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est mon petit-fils, Sébastien. Bonjour. Tu vois ces peaux de vache, là? Elles ont trempé pendant 8 jours dans de l'eau avec de l'extrait de mimosa. Et maintenant, on va les mettre là, dans l'eau de rivière. Bonne fin de journée. Tu vois ce grand tonneau, là? C'est un foulon. Et tu sais ce qui se passe à l'intérieur? On enlève le poil des peaux. Et toi, tu as toujours vécu ici? Oh non. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans cette tannerie. Et ta maman, elle, elle est née au village. Je te l'ai pas dit. Je suis sûr qu'elle t'a pas dit non plus que notre famille vient du pays des Cosaques. Des Cosaques? Oui. Tu n'es jamais retourné là-bas? Ah non, c'était pendant la guerre. Mes grands-parents sont venus se réfugier dans la région, et c'est eux qui m'ont élevé. Et ton père et ta mère? Les arrière-grands-parents, ils sont jamais revenus. C'est triste. Oui, c'est triste. Si tu veux, on pourra y aller ensemble au pays des Cosaques. Avec maman? Si je lui demande, elle voudra bien. Ah là là là, c'est pas vrai ça. C'est tout crotté. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un foulard cosaque. Tu savais, toi, que ton arrière-grand-père s'était battu sur la mer Noire? Chercher tes babouches. Ça sent bon. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Eh ben, je nous ai préparé une petite canette. Tu m'en diras des nouvelles. Aux olives? Oui, monsieur. Aux olives. Attends-moi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, vas-y, va te changer, va au vestiaire. 3, 4. Tu prends un bâton, tu reviens avec les autres. 2, 3, 4. 1. Voyez cette lettre. Il y a 16 ans, mon père m'a empêché de la recevoir. Et maintenant, c'est votre fils qui prend le relais. Vous voulez dire que c'est de ma faute? Non, non, j'ai pas dit ça, mais c'est peut-être pas tout à fait par hasard. C'est que tu m'écoutes. Bien sûr. Non, 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 laissez cette porte ouverte. Je veux que tout le monde entende ce que j'ai à dire. Juliette, s'il te plaît. Tu reconnais cette lettre? Non, qu'est-ce que c'est? 15 ans de ma vie. 15 ans que tu m'as volé. De quel droit tu m'as fait ça? Mais de quel droit? Je suis ton père. Non, le fait que tu sois mon père n'a rien à voir avec ça. Toi, tu disposes de la vie des gens comme s'ils t'appartenaient. C'était déjà pareil à l'usine. Et ici, vous faites le même coup? Tu te calmes. Tu te calmes. C'est ce que tu es. Tu es nuisible. Je t'ai fait du mal. Je le regrette. Tu peux pas savoir comme je le regrette. Mais je suis plus le même. J'ai changé, Juliette. Je te jure que j'ai changé. T'as fait le vide autour de moi. Tu as fait fuir ma mère, tu as chassé Alain. Et tu t'es même opposé à ce que Sébastien vienne au monde. Je veux plus me battre avec toi, Juliette. Je te demande pardon. Je t'en prie. Écoute, pardonne-moi. Non. Ça, jamais. Pourquoi tu es venu me voir? Pourquoi? Pour me débarrasser du passé. Parce que les choses sont claires en moi et parce que je veux vivre. Déjeune tout seul aujourd'hui. Un dimanche. C'est un comble. C'est moi qui devrais être en colère et c'est toi qui fais la tête. T'avais promis de jamais me laisser. Enfin, t'es grand maintenant, tu peux comprendre. Allez. Et puis je m'en vais pas, je vais simplement déjeuner dehors. Et après, je rentre. Sur le gros rocher là. Ouais. Et qu'un jour il y a eu une grosse vague qui avait failli t'emporter. Ah non, qui avait failli t'emporter toi. Ah non, et arrête, je t'avais retenu en plus. C'est moi qui avais failli te retenir. Attends, ah ouais, tu mélanges tous tes souvenirs là. Et là, qui c'est qui te retient là? C'est toi, ça voilà. Va. De toute façon, on peut plus y aller maintenant, c'est interdit alors. Juliette,
J'ai besoin de savoir. Je voudrais en avoir le cœur net. Est-ce que c'est à cause de moi que tu as fait cet enfant toute seule? J'arrête pas d'y penser depuis que je t'ai revu et je me dis que c'est à cause de moi. Vous m'aviez tous abandonné, plus personne m'aimait. Ma mère d'abord. Et après mon père, enfin sa possession maladive là. Et toi? Toi en qui j'avais une telle confiance. Tu peux pas savoir comme je t'aimais. Mais alors j'ai décidé. J'aurais cet enfant. Lui et moi, on serait indestructibles. Personne pourrait nous séparer. Et je me suis bien trompée. Juliette. Je vais t'aider, je te promets. Hôtel Biarritz, j'écoute. Alain Tournier, s'il vous plaît. Non, monsieur Tournier n'est pas là. Alors c'est lequel le meilleur? Le meilleur, c'est celui-ci avec la confiture de cerise. Quand vous avez celui-là, bon, c'est brouillard quotidien, vous savez. Ouais. Ils sont pas l'ordinaire. Karine! Karine! Oui! Le téléphone pour monsieur Novak. Monsieur, il y a le téléphone pour vous. Je voulais pas ça. Merci. Oui? Sébastien a disparu. J'ai tellement peur qu'il ait fait une bêtise. Oh mon Dieu, mon petit garçon, mon bébé. Je donnerai tout ce que j'ai pour le retrouver, vous comprenez? Ben Alain est là, je vais venir avec lui. Ah, tout seul, bon, ben je viens tout seul alors. Non, il est chez son grand-père à mon avis. Il s'est sauvé chez son grand-père. Bon, d'accord. J'y vais de mon côté. On se retrouve là-bas. Juliette, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Sébastien est ici? Non, je l'ai pas vu. Pourquoi? Mais il a disparu. Moi, je pensais vraiment le trouver là. Bon, ben, je repars. Mais où tu vas? Je sais pas, chez Cathy. Peut-être qu'il est là-bas. Je viens avec toi. Non, toi, tu restes ici. T'attends Nova qu'il arrive. Juliette. Quoi? On va le retrouver. Je suis sûr qu'on va le retrouver. Sébastien? Maman, maman, ça va? Oh, Sébastien, tu as rien? Maman, j'ai peur. Mais non, t'inquiète pas, on va tout faire pour se sortir de là. Attends. J'ai mal aux pieds. Je dois être coincée. Attends, tu vas m'aider, chérie. Viens. Tu passes devant. Regarde, essaye d'ouvrir la fenêtre et puis tu passes à travers.
Tu vas chercher des secours comme ça. Je veux pas te laisser seule. Attends, justement, tu dois y aller, sinon on est fichus tous les deux. Je te quitterai jamais. T'es gentil, mais justement, si tu m'aimes, tu dois me quitter. Comme la maman de grand-père quand il était petit. Exactement. Sébastien, viens. Merci. Attention. J'arrive, Juliette. Attention. Je reviens. Non. J'y vais. C'est des radios, on verra après. Merci. Vous êtes la famille, hein, vous montez ? Non. On a failli le repère d'une deuxième fois. Maman, j'ai tellement eu peur, tu me pardonnes ? Mais oui, je te pardonne. Qu'est-ce qu'il y a ? 18 jambes, 4 pattes, 3 têtes. Je sais pas, peut-être un monstre. Non, c'est Toto, il est à l'école. Ça lui dit d'apprendre 5 chansons. C'est un gars qui va au restaurant et on commande des spaghettis pour les enfants. J'en ai préféré deux. J'ai choisi un petit journal et un possible Barguera. Et il en écrase une. Un aile ou deux ailes? Un aile. Bah non, comment tu veux qu'il vole souvent? C'est un belge, un allemand. Bon, les enfants, écoutez-moi. Écoutez-moi, je vais vous donner les résultats. Hein. Alors, sont élus pour l'école communale de Bidart, Ludovic Couture. Sylvanie Larieux, à l'unanimité, moins une voix. Et David Tournier. Bravo, félicitations à tous, c'est très très bien. Bon, alors à vous de jouer, les enfants, maintenant vos électeurs vous attendent. Allez. On mange un petit bout de gâteau, là? C'est toi l'unanimité moins une voix? Excuse-moi, j'étais bête. Une seule Larieux, ça suffit pour cette fois. Mais l'année prochaine, moi aussi, je me présente. Il va s'en passer des choses l'année prochaine. Attendez que je comprenne bien tout. Maman, c'est maman. Grand-père, c'est grand-père. Mais Sidonie, c'est ma tante. Thank you.